Attention, des interruptions de service perturbent le trafic sur la ligne Harlem. Comment c'est trop cool. Attendez. Cool, merci. Pas de problème. Et sinon, vous pensez mettre le nouveau Spider-Man aussi? Le gamin? Ouais, peut-être bien. Mais bon, moi, je préfère l'original. Ouais, je comprends. Dites, Théo's Bodega, c'est par là? Ouais, c'est l'enseigne jaune un peu plus bas, un ratable. Merci. Et c'est du super boulot. Mais laissez un peu de place pour le nouveau, au cas où. Le convoi. J'ai raté le convoi. Pas encore. Il reste des détenus à sécuriser. Tu dois être content de voir ces types qui se sont échappés l'an dernier retourner au raft. Ouais, enfin... Le raft est super moche, mais il est sûr. Du moment que leurs problèmes d'octopodes sont bien réglés. Espérons. Je suis plus très loin. À tout de suite. Faut prévenir maman que je serai en retard. Miles, que tal? Est-ce que t'as fait les cours? Salut maman! Ouais, mais il y avait plus peut-être beaucoup à la bodega! Je vais dans une boutique du centre! Oh, merci! Mais évite Midtown! Mon voie de prisonnier bloque complètement la circulation! Oh ouais! Bonne idée! À ce soir au dîner! Bisous! Ouah! Comment il fait, Pete, avec son identité secrète? Ça ajoute un stress pas possible! Pete, t'es là? Ouais, je fais le plein de carburant. Comment t'arrives à boire? En faisant très attention. Ok, en voiture. Deux en route avec cargaison lourde. Bien reçu, X2, on vous aperçoit. C'est une sacrée opération. C'est normal. Des centaines de criminels se sont échappés du raft l'an dernier. Maintenant, il faut les remettre en cellule. La police ne veut pas prendre de risques. Surtout avec notre invité d'honneur. On a beaucoup d'interférences, là. C'est un des anciens complices de Doc Ock. Possible. Peut-être Vulture, ou peut-être Scorpion, ou peut-être quelqu'un de plus gros. Ok, là, on a un problème. Non, Miles, laisse-moi! Je m'en occupe, Pete, t'inquiète! Miles, non! C'est sécurisé! Dérivé, Ellipse! Le poids est mal réparti.
équipe d'intervention déployée. Accrochez-vous, Elix 2. Vite, je suis désolé, je voulais pas. C'est pas grave, on gère. Faut juste l'empêcher de s'ouvrir avant. Oh, que ça m'arrive. Salut, les petites sarines. Petite araignée! Spider-Man! Elle nous donne ton aide!
pouvoir de vie et de mort. J'adore ça. Moi, ça va. J'ai les six derniers Noëls derrière qui mettent ta fille. Alors celui-là, j'ai bien l'intention d'en profiter. C'est une menace. Non, trop léger. C'est une exécrable menace. Ah, trop simple. C'est une affligeante, consternante. Ça vous va à ravir, ce monsieur. C'est bon comme menace. Ça. Une scandaleuse, méprisable, intolérable menace. Correct. Hijo, ¿dónde está? Il est déjà tard. Allô, maman? Ouais, le lait de coco. Je cherche, mais je trouve pas. C'est le chaos, pas idée. Qu'est-ce qu'il y a, du coup? Ouais, désolé, j'essaie de choper un métro. Mira, mijo, tu sais pas bien de monter. Prends une brique et rentre en vitesse. Sima, te quiero mucho. Moi aussi. Maintenant, au chemin, Miles. On doit l'arrêter. Ok, j'arrive. On doit l'immobiliser, et vite. Ouais, ouais, c'est quoi le plan? On va réchauffer tout ça. Oh, pas bon, pas bon du tout. Pete, est-ce que ça va? Non. Non, non, non! Ça va! Je m'occupe de lui! On vient vers toi! Tiens-toi prêt! Ok. Ouais. Il faut pas. Un peu de temps! Spider-Man, ça va?
Je voudrais l'échanger contre un neuf. Ah, je prends celui-là. Mais, reste pas ici. T'es vivant ? Plus ou moins. Messieurs ? Waouh, c'était... Waouh ! Simon Krieger, directeur de recherche de Roxxon Energy. Ravi de vous connaître. Pareillement, désolé, je crois que notre ballon a atterri chez vous. Non, vous nous avez rendu service. On vient d'acheter ce terrain, on comptait tout démolir pour un projet. Mais vous avez été plus rapide. Je voulais vous remercier. Tous les deux. Terrassé Rhino, en solo. Tira loin, mon grand. Merci. Mais il est encore dangereux. Oh non. On le livrera à la police. Moi qui n'arrête pas de répéter qu'on n'a pas besoin de super soldats ici, et ce genre de choses arrivent. Oh, le devoir m'appelle. Hé, c'était super de vous rencontrer, les garçons. L'avenir s'annonce radieux. Allô. Il a raison. On décolle. Laissons la police faire son boulot. Ouais. Ouais, ok.
bioélectricité. Waouh. Bah, je vais pas te mentir, je suis un peu jaloux. Oh, arrête. Je suis loin de t'arriver à la cheville. On devrait peut-être faire des tests demain. Une petite analyse du voltage. Ah, mince. Ouais, désolé, je voulais t'en parler. Je serai un peu absent dans les semaines à venir. C'est encore une de tes blagues, c'est ça? Non, en fait, MJ part en voyage pour le Bugle et je vais être son photographe, tu vois. En gros, on part bosser à l'étranger. Oh, waouh! Écoute, je crois pas être prêt à bosser en solo. J'ai fait n'importe quoi aujourd'hui avec l'hélicoptère. Mais après, t'as tout cartonné. Tu m'as sauvé aujourd'hui, Miles. J'ai eu de la chance. Hé, j'ai fait ce boulot pendant 8 ans sans assistance. Et crois-moi, je me suis planté un paquet de fois. C'est comme ça qu'on apprend. Qu'est-ce que c'est? Ton cadeau de Noël. Mais d'abord, tu dois prêter serment. Hein? Ok. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger cette ville. Je promets. Voilà, c'est bon. C'est sérieux ton serment? Ouais, bien sûr. T'as cru quoi? Que c'était de l'impro? À dans quelques semaines, Spider-Man. Le seul Spider-Man de New York. Le seul Spider-Man de New York. Je suis le seul Spider-Man de New York. Faudra pas se planter. The city late at night hit a pinnacle. Shining on a mirror.